La seule chanson joyeuse de mon album, les oiseaux. Je la vois comme de la lumière, genre dans ma tête. Moi, je l'ai écrite comme si je m'adressais à la ville de Montréal, mais ça peut s'adresser à quelqu'un aussi, complètement. Enfin, dans ma tête, c'est les deux. J'ai frappé à ta porte sans te prévenir, blablabla. Symboliquement, c'est quand je suis allée à Montréal pour la première fois en 2015. Et en même temps, c'est aussi, genre, ça parle aussi des gens que j'ai rencontrés là-bas, des amis que j'ai rencontrés, des gens qui sont super importants dans ma vie aujourd'hui. C'est une chanson qui me fait du bien. Enfin, je sais pas, c'est genre. C'est justement comme un havre de paix. Et je trouve que même dans la globalité de l'album, c'est comme être en paix pendant 3 minutes. J'ai écrit l'album et ça parle que de trucs assez durs, et que cette chanson là, c'est comme si genre je prenais une respiration et que j'étais en mode là c'est cool, ça va, genre pendant 3 minutes je fais une pause. C'est un